Les prix du commissaire ont été établis en 1980 par le commissaire Doug Bell pour reconnaître les contributions des Yukonais et des Yukonaises à leur collectivité. Il existe deux prix. Le prix pour le service public bénévole est décerné à une personne qui, dans le cadre d'activités bénévoles, a apporté une contribution importante à la vie économique, scolaire, artistique, culturelle ou sociale du Yukon. Le travail rémunéré accompli dans l'exercice d'une charge publique ou d'un emploi de la fonction publique ou du secteur privé n'entre pas en ligne de compte pour l'attribution de ce prix. Cette distinction ne peut être décernée qu'une seule fois. Le prix pour acte de bravoure est décerné à une personne qui fait preuve de bravoure et au prix de grands efforts et dans une situation dangereuse, s'est exposé à des risques considérables pour protéger ou sauver, ou tenter de protéger ou sauver, la vie d'une ou de plusieurs personnes. Les candidatures relatives au prix pour les actes de bravoure doivent être soumises moins de 2 ans après la date de l'incident ou de l'acte de bravoure visé. Aucun prix ne sera remis à titre posthume, sauf dans le cas où la personne est décédée en accomplissant l'acte de bravoure concerné.